Bonjour. Lorsque les agences spatiales lancent de nouvelles sondes à la recherche d'une autre Terre habitable, d'une planète B, il est un élément qu'elles recherchent plus que tout autre, l'eau. Car ces mêmes humains, à la recherche d'eau, sont totalement dépendants de cet élément, comme la plupart des êtres vivants sur la planète. Combien de litres pensez-vous que mon corps renferme ? 20 litres, 25 litres, 30 litres ? 50. 50 litres d'eau pour un corps, disons, de taille moyenne. Sous sa forme liquide, l'eau est non seulement indispensable à la vie des millions d'espèces qui habitent la planète Terre, mais elle est également cruciale pour assurer un avenir durable et équitable à l'humanité. De fait, l'eau est probablement l'enjeu planétaire le plus transversal aux 17 objectifs de développement durable déclarés par les Nations Unies en 2015. Tout d'abord, l'accès à l'eau potable assure la survie même de chacun d'entre nous et constitue un pilier nécessaire pour la lutte contre la pauvreté. L'eau fournit des éléments vitaux pour l'agriculture et l'industrie, et elle est au cœur de notre santé, source de remèdes, mais également vectrice de maladies. Elle est au centre des enjeux climatiques et des événements extrêmes, sécheresses et inondations, et l'eau est étroitement liée à la production de nos énergies, à l'hydroélectricité ou encore l'énergie nucléaire. Enfin, l'eau est source d'enjeux géopolitiques majeurs et souvent de conflits. Alors comment aborder un enjeu aussi complexe que celui de l'eau ? Quel angle original choisir pour traiter d'un sujet qui a déjà fait l'objet de multiples débats ? L'objectif des émissions Hello World produites par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, est d'intensifier le dialogue entre les scientifiques et les autres acteurs de la société en présentant une diversité de points de vue et en favorisant les échanges entre pays du Sud et pays du Nord. Aujourd'hui, nous avons pris le parti d'aborder le thème de l'eau en mettant en lumière la grande diversité d'acteurs impliqués dans ses usages, agriculteurs, pêcheurs, collectifs de gestion ou associations de protection de l'eau, ou encore chercheurs. Il y a quelques semaines, à Dakar, le 9e Forum mondial de l'eau a réuni plusieurs centaines d'acteurs de tous horizons. L'équipe d'Hello World était sur place pour les rencontrer et recueillir leurs précieux témoignages. Et pour analyser ces témoignages, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean-Philippe Veynaud, aujourd'hui, qui est chercheur à l'IRD au sein du laboratoire Géo à Montpellier. Jean-Philippe développe vraiment des approches holistiques, interdisciplinaires, et ce seront aujourd'hui véritablement notre clé pour mieux comprendre les multiples enjeux de recherche et de durabilité liés à l'eau. Alors nous avons organisé les témoignages de ces acteurs au Sénégal ainsi que d'autres vidéos de Madagascar ou du Mali autour de deux séquences. Une première séquence Hello Science pour décrire les enjeux scientifiques autour des trois piliers des recherches sur l'eau, la ressource, les impacts et les usages. Puis une deuxième séquence Hello Solutions afin de mieux comprendre la façon de co-construire des solutions de gestion durable de l'eau au sein des territoires. Alors bienvenue dans cette nouvelle émission Hello World sur les enjeux de la gestion de l'eau et sans plus attendre, notre première séquence, Hello Science. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue sur le plateau d'Hello World. Est-ce que tu pourrais nous présenter pour démarrer cette session Hello Science, les bases des recherches scientifiques à l'heure actuelle sur le thème de l'eau ? Bonjour Olivier. Donc au sein de mon UMR, l'UMR Géo, qui est très interdisciplinaire parce qu'on se côtoie des anthropologues et des spécialistes de mécanique des fluides, on parle en fait d'enjeux socio-hydrologiques pour montrer un petit peu le fait que les enjeux de l'eau sont à la fois sociaux et techniques et qui sont fortement imbriqués et indissociables les uns des autres. Après, s'il faut dissocier un petit peu les choses pour faciliter l'analyse, j'aurais tendance à dire qu'il y a trois grands types d'enjeux. Des premiers enjeux qui sont liés à la disponibilité des ressources en eau dans le temps et dans l'espace. Des enjeux qui sont liés aux acteurs et aux usages que ces acteurs font de ces ressources. Et enfin, un troisième type d'enjeu sur les impacts que ces usages peuvent avoir. Ça peut paraître une évidence, mais ce qui fait la spécificité et la transversalité de l'eau, c'est qu'elle circule, nous rendant tous interdépendants les uns des autres. C'est aussi ce qui en fait un objet extrêmement complexe à comprendre et fascinant à étudier, d'autant plus que ces interactions et cette circulation doivent s'envisager à plusieurs échelles, de l'échelle globale à l'échelle très locale. C'est vraiment un objet de recherche fascinant, complètement interdisciplinaire, où tout est connecté. Je voudrais qu'on revienne sur
Un point dont tu as parlé, le changement climatique, à travers une vidéo hip-hop. Alors vous savez, hip-hop, ce sont ces petites ondes participatives de RFI Planète Radio et IRD. Nous allons partir à Madagascar, une vidéo intitulée « Les vignes ont soif » qui a été réalisée par Eva Rassoloni-Rina. Je m'appelle Michel Sanfouy, je gère l'exploitation familiale. Ça fait depuis 1970 qu'on est dans la vigne. Fianar a une particularité, c'est la région, c'est le Fartan de Madagascar où on produit encore du vin. La société entre Ambalavao, Fianar et Tana en fait 200 personnes. Le raisin blanc, il est plus facile à planter. Mais le raisin rouge est très difficile parce qu'il est très sensible à la sécheresse. Donc tout le travail qu'on fait derrière moi, en fait, c'est sur le raisin rouge. Sur nos données pluviométriques, en 20 ans, on a perdu 20% de la pluie. On a vu aussi que la pluie arrive très tard. Normalement, c'est au mois de septembre jusqu'au mois de mars. Et maintenant, c'est au mois de novembre jusqu'au mois de février. D'une année sur l'autre, il n'y a rien qui est établi, mais on a vu aussi des augmentations de température qui sont nuisibles à une bonne production de raisins. Le phénomène est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on a des attaques de fourmis, de termites, parce que les termites se réfugient dans les plantes, donc la plante finit par mourir. On sent que nous, à notre niveau, il y a des choses qui changent. C'est plus difficile de planter des jeunes plants de vigne. C'est plus difficile au fait de les faire pousser. C'est difficile d'avoir un bon rendement. Mon père, lorsqu'il a commencé l'exploitation, il n'avait pas besoin d'arroser. Ça poussait tout seul parce qu'à l'époque, il y avait énormément de pluie. Alors que maintenant, je suis obligé d'arroser parce que au moment opportun, il n'y a pas de pluie. Il y en a très peu, ça fait 10 jours qu'il n'a pas plu. Dans le temps, mon père n'avait pas besoin d'arroser pour planter, alors qu'actuellement, je dois arroser, apporter énormément de soins pour que la vigne pousse. Ça a un certain coût financier. Dans les années 90, on était une vingtaine de vignerons. Actuellement, on doit être plus que 5-6. C'est pas évident. C'est un sacerdoce, au fait, de gérer la vigne. Parce que tous les jours, on doit se battre. Tous les jours, il faut aller au taf. Donc, je me dis peut-être que pendant 10 ans, on va aller comme ça. Mais après, je ne sais pas du tout vers quoi on va. La société a quand même une fonction sociale, c'est-à-dire qu'on crée des emplois directs et indirects. On arrive à faire vivre un certain nombre de familles. Donc, par voie de conséquence, si la société va mal, l'ensemble va mal. Alors Jean-Philippe, un témoignage vraiment extrêmement intéressant de ce viticulteur depuis Madagascar. Ce que j'ai bien remarqué, c'est l'aspect des savoirs empiriques qui sont présents. Il connaît exactement la diminution de la quantité d'eau et puis aussi la façon dont tout est interrelié. Il parle de fourmis, il parle d'emploi. Voilà, on voit vraiment cette nécessité véritablement d'intégrer les différentes thématiques des disciplines scientifiques. Oui, en effet, c'est un témoignage que je trouve extrêmement riche à de multiples niveaux. On voit bien une illustration concrète dans un territoire spécifique de dynamique globale. Donc, en effet, le changement climatique dans deux grandes manifestations, à la fois un changement de régime des précipitations et ici un manque d'eau qui s'inscrit dans la longue durée, mais aussi une augmentation des températures. Et ce qui est vraiment frappant, c'est en effet la capacité donc de cet agriculteur vigneron à identifier assez rapidement et de façon intuitive les dynamiques à différentes échelles et qui pourraient pourtant sembler a priori disjointes. On a en effet une augmentation des températures qui entraîne des attaques de termites et de fourmis qui cherchent à se protéger de la chaleur dans les ceps de vigne, qui les attaquent. Donc en fait, on a vraiment là, en quelques phrases, un agenda de recherche qui lie science du climat, science du sol, sans parler d'agronomie, d'économie agricole et d'économie rurale.
voire même toute une question sur la façon dont les gens s'organisent pour gérer un petit peu des vignes sur des grandes superficies. Donc juste pour revenir un petit peu sur le changement climatique et les impacts que ça peut avoir sur les recherches dans le secteur de l'eau, je pense qu'au-delà de la réalité auquel ce vigneron malgache fait face, caractériser les dynamiques des ressources en eau, donc il s'agisse des dynamiques de précipitation, de pluie, des écoulements de surface ou des dynamiques d'une ressource qu'on caractérise souvent comme invisible, hein, les eaux souterraines, ça nécessite quand même la mise en place de dispositifs de suivi et de collecte de données qui justement permettent à la fois d'avoir des données terrain, mais aussi des données plus globales de type télédétection. Et dans les contextes dans lesquels les chercheurs de l'IRD et leurs partenaires travaillent, on est souvent dans des contextes qui sont pauvres en données. En termes de gestion de l'eau, on parle souvent de bassins versants non jaugés. Et donc, comment combiner ces données qui sont hétérogènes et qui sont très partielles, c'est un champ de recherche également en tant que tel. Donc, en effet, cette question vraiment des données, de générer des données, c'est une brique essentielle qu'on a peut-être tendance à oublier, mais qui est vraiment indispensable parce que c'est sur ces informations-là que tout exercice de planification et donc de partage des ressources en eau peut après se faire. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit avec ce viticulteur hein, qui peut être dépendant aussi des données. Il faut qu'il suive son système. Et finalement, cette science plus holistique, plus intégrée qu'on essaye de développer, notamment à l'IRD, c'est vraiment une science qui, du coup, est en écho avec les problématiques qu'il y a sur le terrain. Et cet agriculteur nous l'a bien montré. Alors, je voudrais qu'on aille maintenant sur une autre vidéo hip-hop, avec cette fois-ci un témoignage sur un autre enjeu que tu as décrit tout à l'heure en termes d'enjeux sur l'eau, celui de la qualité de l'eau et celui des impacts. C'est une vidéo qui s'intitule « L'or à tout prix, depuis le Mali. C'est un reportage de Adama Diakité. Hey, yakuwa konotai. Bibi na nya bozo ka nya mgoye kenya baya. Bo an yo kodon ka sura an faubi mwendeke, an yiru yo wolola an bi balo mwendera. Ni yela ni mbaye fe sakata. Ibi ta se rodra. Bon, Senegal bi ban. Bo abi ke Mali la Guinée. Ibi yelo fe, ibi ta konde a san fe. Abi ta ke la Guinée, ne ba bedo, ne mwende ke ni bera. Ne pa an faw fosisa, ne be mwenda. Bayi an mu tobili ke na an ba an kuala an ba an miyana. Me miye bayi soro sa, ni machine mi vile ne, shinu oka machine do. Tobili bi ka kone ya, wishi yoro ba kon, bari yere de beni kona kwa. Bara bi ka, bi sanu kwa ere, ba buwa ere. Do rama ni bayi cha boni ndronte ni min be fale me kona ya no ka dam ne ya ka ta dabla ani la jine frontière la abi bisababo oni machi ba mi bi pelu ke ka che ka ko no fana no ta kele an dragi mi sani minu fana be ya o fana no te ni be shi no ka bara fa onde kuma champion jinjeng ma watmi na ne bana kalte ngu dawo zora ya no nem bana ngunda zo nem be shinu na le pori min be jina de bo se tanye nan ndisa ga jimbla ambi sa yande na damta rojme angulo kunya malifa ma ko ala me o yero nyabe o yero nyama ko coronavirus ke la uri yero do kirie bo ve afol amina bom maliko na ambi tanye fo joni foro tana ne nyam ko nunu te o nyam ko nunu amba daga kule fo na do mo fara bara ga to mo bola o man amina mun ge sisa ko mal sigle be sene moni bagamara o bo na sigle moni bagamara ga sena ni moni ni bagamaraka okuma ni cheni unyata ni na no bayere de turle do ka bampe bayere te tuguni okuma na ukoko sena ni moni okuma na ami muvo gouvernement sisa bo okuma na dade do abi fote no na umbulo bo chen te kwa ni ko adama de folo folo ejide ni be ejide iko sene o ejide iko bagamara o ejide iko moni o ejide okuma na amna munge na anya kule era de wofa ambe kwa foro era de tenu na tugudi foro tena dro abana mbeke ka ni mi vo na save mo sera ka me bo mbi saka fo dro nji gara bi ni ka misa amali ko era la kwa vraiment nji bi ni ka misa amali ko ra saba foro de kuna kule la famo kan la me bo na mbara ka kule nu tara kan la me mo shu era flene dinga kono u yele to tena era an anaya vraiment an kule la antisana mali era da mata mo bi saka an de men ko ra anya kule bo u kan de men
mugo bi saka ndeme mi yere tam malien ya alna kara franchier akara yoro yere nu bi saka ndeme ko ndeme wore benefit ka fo sabi ndado amina fo fochugo mina fochugo bana. Alors Jean-Philippe, j'ai envie de dire que ce qu'on a vu sur la vidéo, c'est quasiment encore plus complexe. Ce qu'on a vu avant, on a vu le problème du changement climatique et l'adaptation à ça de la part d'un viticulteur. Et là, on a l'impression que ça se complexifie encore plus. On a des problèmes de santé, d'emploi, d'économie, de biodiversité, des problèmes politiques. Finalement, comment on fait concrètement après, quand on a autant d'enjeux, autant d'acteurs autour d'une même ressource, pour, en termes de recherche, un petit peu serrer les problèmes, je dirais, et avoir un cadre méthodologique, conceptuel, qui soit adapté à l'étude de ces problèmes? C'est une très vaste question. Enfin, en effet, c'est une présentation qui montre toutes ces interactions-là et la transversalité des enjeux de l'eau et le fait que ça se déploie à de multiples échelles. On voit très bien dans un premier niveau le fait que du fait d'utilisation de pollution, enfin du fait de pollution chimique liée aux activités minières, on a des conséquences néfastes sur les pêcheurs et sur les agriculteurs. Mais en effet, on est dans une région aussi là transfrontalière à trois pays, donc on a un besoin de coordination interétatique. Et on voit bien qu'il y a aussi dessous des enjeux, même au-delà de ça, géopolitiques. Hein, on a des activités minières qui sont en partie portées et mises en place par des expatriés chinois. Et les intervenants, enfin les communautés locales, parlent de corruption, de problèmes vis-à-vis du gouvernement qui ne les écoute pas. Donc là encore, c'est en effet un des enjeux et une des spécificités de l'eau où on va devoir allier des approches en sciences environnementales et en sciences humaines qui permettent d'abord de comprendre ces enjeux-là. Après, en termes plus, on va dire, normatifs, en termes de comment résoudre ces enjeux-là, ça fait bien longtemps, en fait, que les scientifiques et les décideurs ont compris ces interactions, ou au moins les ont identifiées. Et ça fait plus de 20 ans maintenant que la gestion intégrée des ressources en eau, hein, qui est connue sous le nom d'un acronyme, la GIR, constitue un petit peu le principe directeur des politiques de l'eau et des interventions dans le secteur, dans la plupart des pays du monde, y compris en France, avec les agences de bassin. Donc en fait, c'est l'AGIR, ce concept un petit peu de gestion intégrée des ressources en eau, c'est un concept qui a fait, à la fois le concept et sa mise en application, a fait l'objet en elle-même de nombreuses recherches, notamment en sciences sociales. Donc s'il fallait un petit peu rappeler trois grands principes qui sous-tendent un petit peu ce modèle politique, c'est que l'eau doit être gérée à l'échelle de ce qu'on appelle les bassins versants, parce que ce sont des unités géographiques au sein desquelles l'ensemble des acteurs sont interdépendants. On se souvient tous des crobars un petit peu du cycle de l'eau qui montrent ces interactions-là. Donc voilà, le bassin versant, c'est un petit peu à cette échelle-là que se jouent ces interactions. Ensuite, il y a un deuxième grand principe, c'est on va dire le fait qu'il y a besoin d'une gestion participative et inclusive, avec une attention particulière sur le rôle des femmes, notamment en lien avec l'utilisation des eaux pour des usages domestiques, mais aussi dans l'agriculture. Et enfin, un troisième grand principe, mais qui a fait l'objet quand même de nombreux débats, c'est que l'eau étant une ressource limitée et vulnérable, elle doit être gérée comme un bien économique. Donc, il faut maximiser la valeur que l'on dérive. Mais alors que la notion de bien commun s'impose de plus en plus, ce troisième point fait quand même l'objet de nombreuses discussions, et notamment il y a des enjeux sur qui définit les valeurs de l'eau, comment elles sont définies, dans un contexte où l'eau n'a pas juste une valeur économique, mais peut avoir des valeurs culturelles ou même existentielles, où l'eau est indissociable de l'être humain, proprement dit, dans certaines communautés, notamment les aborigènes en Australie. Voilà un petit peu donc à la fois la complexité et certains cadres qui ont été mis en avant pour essayer de gérer et d'apporter des réponses à ces enjeux très complexes à de multiples niveaux.
Alors effectivement, une gire quasiment qu'on apprend sur les bancs de l'école, hein, comme tu l'as dit, en dessinant nos dessins du cycle de l'eau. Et puis finalement, après toute cette complexité, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en dépit du fait que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur ces aspects-là, bah, il y a toujours à réfléchir, à essayer de comprendre comment ça se passe. Je vous propose de regarder ce témoignage de Youssoupha Tall. Youssoupha est un jeune chercheur dans l'UMR Géo de Jean-Philippe. On l'écoute au sujet notamment de cette gire. Actuellement au Sénégal, on a d'abord un problème d'accès à l'eau, parce que on a le lac de Guer est la principale réserve d'eau douce du Sénégal, qui alimente Dakar à hauteur de 50%. Et actuellement, on observe un ensemble de pratiques et d'usages qui contribuent à la dégradation de la qualité de l'eau. Et que malgré la présence d'institutions en charge de sa gestion, on a un problème de gouvernance intégrée de l'eau. Et que chaque agence de l'État définit et met en exergue des actions qui sont parcellaires et non intégrées, qui vont à l'encontre des exigences de la gestion intégrée de la ressource en eau. Et que parallèlement, au niveau local, on observe des mécanismes de gestion locale qui participent un peu à la régulation des usages et à la sauvegarde de la durabilité de la ressource en eau. Et actuellement, le défi, c'est comment penser la collaboration ou l'intégration de ces mécanismes locaux de gestion de la ressource en eau à celle de à la gouvernance plus institutionnelle, plus élaborée, plus cadrée, portée par les acteurs institutionnels. Alors Jean-Philippe, on le voit très bien avec ce témoignage de Youssoupha. Agir, le G, c'est gestion, mais c'est aussi gouvernance. Et il semble vraiment qu'une des problématiques majeures, ce soit un défi, ce soit ce penser local et cette action institutionnelle, le fait d'imbriquer véritablement les deux échelles. Oui, en effet, je me reconnais beaucoup dans cette intervention. Ce n'est pas une surprise, étant donné que Youssoupha travaille avec nous dans l'unité de recherche. Mais il y a en effet ce lien de gestion multi-échelle entre initiatives locales et leur insertion dans des mécanismes institutionnels et politiques. Et d'un autre côté aussi, la difficulté de mettre en pratique une gestion intégrée intersectorielle quand nos institutions résonnent encore beaucoup de façon sectorielle. Donc c'est vrai autour du lac de Guière au Sénégal, mais c'est aussi vrai en France où on voit au cours des dernières années le fait que concilier agriculture et environnement, ça reste une gageure, c'est pas facile, malgré le fait qu'on ait des institutions anciennes et qui fonctionnent depuis plusieurs décennies. Donc je pense qu'il y a en effet ici une place pour une recherche qui serait à la fois insérée et engagée, qui relève donc des sciences de la durabilité, où on s'aperçoit que des recherches en sciences sociales permettraient d'analyser ces jeux d'acteurs tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale ou voire internationale, et sur cette base-là, de mettre en place des approches participatives, mais aussi de les analyser, et ces approches participatives permettant justement de travailler à cette articulation entre différents niveaux et d'identifier de nouveaux modes de gestion et de gouvernance de l'eau qui soient plus durables et au sein desquels ce lien entre enjeux locaux, pratiques locaux et dynamiques institutionnelles s'articule un petit peu de façon plus cohérente, on va dire. Et donc on est vraiment là dans un processus de recherche qui serait dans la co-construction à la fois de questions de recherche, mais aussi d'identification de solutions à ces enjeux très, très multidimensionnels de l'eau. Oui, alors on voit vraiment dans ce qu'a dit Youssoupha les aspects intersectoriels, tu l'as rappelé véritablement. Donc là, on se met au niveau des acteurs. Ce qui était intéressant aussi dans les témoignages que Youssoupha a fait à notre équipe au Sénégal, c'était des témoignages aussi sur la posture qu'on doit avoir en tant que chercheur par rapport à ça. Tu l'as dit, il y a des enjeux, co-construction, de nouveaux mots-clés qui arrivent avec des méthodologies qui arrivent. Et il y a aussi peut-être une posture du chercheur, notamment à essayer de remplir ce fossé quelquefois entre les sciences de la nature, de l'environnement et les sciences sociales. On écoute Youssoupha sur une autre analyse aussi de cette problématique. Comment l'accompagnement, c'est plus une intégration et une acceptation de la contribution des sciences humaines et sociales dans le monde de l'eau, parce qu'on est des acteurs à part entière des sciences, et que ce qui nous lie aux sciences de la nature qui sont plus hermétiques et un peu décalées ou extérieures à la société, c'est plus un pas en avant ou un pas avec eux, de marcher ensemble, de réfléchir ensemble sur leur démarche, sur leur méthode,
un peu sur la production de connaissances et sur les méthodes et les moyens de divulgation et de présentation de ces connaissances, et aussi une prise en compte des savoirs locaux. Parce qu'on a un ensemble de savoirs locaux qui sont pensés depuis des décennies et qui sont qui sont pas en déphasage, mais qui sont acceptés, appropriés par les communautés, et elles s'en servent pour utiliser, pour sauvegarder, mais aussi pour réfléchir à un cadre de gestion locale. Alors Youssoufa présente bien ce challenge qu'il y a entre les différents types de sciences et différents types de savoirs aussi. Il parle des savoirs notamment empiriques, locaux. Et il parle aussi de sciences naturelles, alors à bon entendeur salut, hermétiques et décalées. Donc c'est assez intéressant de voir voilà, un petit peu les tensions, les approches différentes entre les différentes communautés. Toi-même, tu as publié récemment dans Nature Sustainability un opinion paper intitulé « A Bridge Over Troubled Waters » pour justement voir ce pont qu'on recherche un petit peu et qui est l'image de la science de la durabilité aussi entre la société et la science, mais aussi ces ponts qu'on doit créer entre les différents chercheurs, cette nécessité d'aller vers plus d'interdisciplinarité. La thématique de l'eau, c'est vraiment une thématique cruciale pour comprendre ces enjeux. Oui, je pense qu'en effet, l'objet eau se prête très bien à ces enjeux de construction de l'interdisciplinarité. On retrouve ici un peu l'éternel débat entre sciences naturelles et sciences dures. Hein. Qui sont les plus hermétiques, ça reste une question ouverte. Et en fonction de l'ancrage disciplinaire de la personne, la réponse sera très souvent l'autre. Donc je pense que dans les années 90, mais il y a sans doute des exemples plus anciens, il y a un ouvrage qui était coordonné par Marcel Jolivet qui parlait de passeurs de frontières, et je pense que c'est une métaphore qui est assez intéressante à prendre en compte justement dans ces démarches interdisciplinaires. C'était dans un ouvrage qui visait à proposer des solutions pour une gestion durable des ressources naturelles. Donc on se retrouve 30 ans plus tard, hein, je crois que l'ouvrage était en 1992, en lien avec le sommet de Rio, à voir un petit peu comment interagir entre différents types de sciences et différents types de savoirs. Et la réponse, l'opinion paper que tu mentionnes, hein, qui était en fait une réponse à un éditorial des éditeurs de la revue, c'était pas tant à faire valoir un petit peu l'apport que les sciences sociales pourraient avoir sur l'eau, parce que j'ose espérer que ça reste quand même assez reconnu, mais c'était de mettre en avant qu'en fait, toute problématisation scientifique n'était pas neutre, en fait, qu'elle soit issue des sciences sociales ou qu'elle soit issue des sciences dures, et que la façon dont on posait la question orientait nécessairement les réponses que l'on pouvait trouver. Et donc, dans un tel contexte, et étant donné la multiplicité des interactions au niveau de l'eau, l'idée était peut-être de dire que plutôt que de chercher une question intégratrice sur laquelle tout le monde se retrouverait, il fallait peut-être poser de multiples questions et voir un petit peu les différents éclairages qui pouvaient être abordés sur des problèmes qui étaient posés de façon légèrement différente, et de travailler à cette articulation et cette notion un petit peu de passeur de frontières. Il y a des personnes qui parlent aussi du sympathetic other, hein, l'autre sympathique, pour initier un dialogue qui est vraiment clé dans cette construction de l'interdisciplinarité et qui est en effet nécessaire si on veut à la fois comprendre et apporter des réponses, accompagner des réponses aux enjeux qui sont liés aux ressources en eau, dont on a vu un peu la complexité lors des différentes interventions. Alors c'est vrai que je te présentais comme cela au début de mon intervention en disant l'approche holistique qui allait nous servir de clé, c'est vraiment ça. Je pense que tu parles de passeur de science aussi, d'être entre les disciplines. Et avec toi, on a navigué vraiment dans différents recoins de ce thème de l'eau. On a parlé d'indigènes, on a parlé de différents savoirs, on a parlé de climat, on a parlé, voilà, le fait d'avoir des personnes aussi qui sont intrigatrices et qui peuvent expliquer à d'autres personnes comment se mettre ensemble autour d'une même problématique et de voir ces différentes visions, je pense que c'est vraiment très important effectivement. Alors, je vous propose de terminer maintenant cette première session Hello Science, où on a vraiment brossé, je dirais, la problématique de l'eau et aussi ce que ça veut dire pour les chercheurs. Et on passe maintenant à notre deuxième séquence, Hello Solutions. Alors, une séquence Hello Solutions, où nous sommes allés directement à la rencontre des acteurs qui proposent des solutions durables sur leur territoire. On est à l'écoute de leurs témoignages et on va écouter deux témoignages, deux vidéos, les unes à la suite de l'autre. D'une part, de Ibrahima Sek, qui est représentant du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, la ROPA.
et Pauline Ndiaye, qui est géographe au sein du réseau Environnement Développement Action pour la protection naturelle des terroirs, Enda Pronat. Oui, ce que nous faisons, c'est véritablement le plaidoyer. Le plaidoyer pour véritablement l'accès à l'eau des exploitations familiales, des populations et des communautés de base. Et c'est cela qui fera que nous pourrons, avec nos familles, pouvoir nous alimenter, pouvoir alimenter notre bétail, mais en même temps pouvoir faire de la production agro-silvo-pastorale et halieutique. Et c'est en fait ce qui va permettre au système alimentaire et nutritionnel d'être durable. Et cela, c'est véritablement un changement de paradigme. Cela veut dire simplement donner une alternative au modèle de développement agro-industriel de production agricole qui, elle, a fini de polluer nos mers, de polluer à leur notaire, de réduire nos populations d'oiseaux, de réduire nos populations d'abeilles, mais simplement de dégrader nos terres. Cela veut dire aussi que nous arrivons vers un nouveau système de production agricole holistique et systémique qu'est l'agroécologie, qui va permettre de produire des produits sains qui vont favoriser la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Et sur cela, le plus important, c'est véritablement changer complètement notre modèle de consommation alimentaire par le biais d'un modèle de production alimentaire et nutritionnelle durable. Il y a plusieurs réponses qu'on essaie d'apporter. On essaie de faciliter l'accès à l'eau, là, je l'ai dit tout à l'heure. Si on trouve des puits ou bien des points d'eau, on améliore en essayant de mettre en place des moyens pour faciliter l'exode. Également, s'il n'y en a pas et que nous avons des partenaires qui appuient, on crée également des points d'eau, des forages. Et après, la mise à disposition du point d'eau, c'est des équipements que l'on fait en général, surtout à partir du solaire, parce que on a aussi en perspective les changements climatiques et la durabilité. Donc, comme j'ai dit, on facilite l'accès à l'eau. Également, dans le travail qu'on fait avec l'agroécologie, on appuie technique pour former les producteurs à une utilisation plus rationnelle de l'eau. Parce que puisque c'est difficile d'accès, puisqu'il faut le gérer pour les générations futures, il faut également bien l'utiliser. Parce qu'il ne suffit pas de mettre beaucoup d'eau, il faut juste donner à la plante ce dont elle a besoin. Et en général, c'est des techniques intégrées qui permettent d'économiser l'eau, d'utiliser l'eau de façon beaucoup plus rationnelle. Également, ce qu'on essaie de faire, par exemple, au niveau de la vallée du fleuve, on sait que la vallée, avant les aménagements, il y avait une régulation à partir des pluies, une régulation naturelle, où il y avait des crues et les crues qui alimentaient des mares naturelles. Donc maintenant, avec les aménagements, c'est de plus en plus compliqué, mais on est en train de tester au niveau de l'ERAB, un ancien bassin où on essaie de réguler l'eau pour pouvoir faire revivre ces mares, parce qu'on sait qu'autour de ces mares, plusieurs activités agricoles peuvent se mener. L'agricole avec grand A, la pêche par exemple, l'agriculture et l'élevage. Et donc ça, c'est un test qu'on est en train de faire. Et quand on revitalise la mare, donc c'est toute une activité, c'est des activités économiques qu'on essaie de faire régénérer à ce niveau. Une des entrées maintenant, c'est de travailler avec les femmes. Même si à Enda Pronat, on travaille avec des producteurs et avec des productrices, mais on se rend compte qu'en appuyant, par exemple, un groupement de femmes, ça a des effets sur l'ensemble de la population. On a donné l'exemple ce matin de l'appui qu'on avait fait à un groupement en mettant en place un système d'exo, mais où on a essayer de respecter les trois usages de l'eau, c'est-à-dire l'eau pour la maison, l'eau domestique, l'eau pour l'agriculture, le jardin,
mais également l'eau pour l'élevage. Alors des témoignages effectivement qui sont extrêmement variés, on a vu vraiment la nécessité du changement de paradigme, on a vu le plaidoyer, on a vu ces différentes stratégies, solutions autour de l'accès à l'eau, de l'agroécologie qui finalement est aussi une façon d'inclure cette gestion durable de l'eau. On a vu d'ailleurs le mot durabilité qui était utilisé, employé souvent par ces deux personnes. On a vu aussi des aspects des savoirs locaux, ces mares naturelles, l'expérience participative pour tester l'utilité de ces mares et aussi par exemple le soutien au groupement de femmes. Donc on voit cette multiplicité en fait d'actions qu'il y a autour de l'eau. Comment on fait nous un petit peu pour faire le lien finalement entre toute la science qui peut être faite qu'on a décrit dans la première partie et en quoi elle sert aussi, elle s'insère je dirais dans ces aspects un peu plus politiques et un peu plus concrets de la gestion de l'eau. Alors je pense que en effet la première chose qui est frappante c'est le fait que l'ensemble de ces solutions qu'ils ont importées elles ont un caractère fortement intégré. On voit bien ici la transversalité de l'eau qui ressort et même d'une certaine façon, l'eau devient invisible d'une certaine façon. Quand on parle d'agroécologie, l'eau disparaît et c'est sans doute un petit peu le dilemme de l'eau. Elle est à la fois partout et nulle part. Donc pour revenir sur la question, on a en effet des interventions qui sont assez différentes en nature. Hein, un plaidoyer politique à destination des décideurs. Alors je pense que là, en lien avec ce que je disais précédemment sur la possibilité de mener des recherches engagées et insérées, il y a aussi des opportunités en termes de recherche pour essayer de comment construire ces plaidoyers, est-ce que ce plaidoyer peut aussi devenir un objet de recherche en tant que tel, hein, sur comment ça se construit, quels sont les agendas des jeux d'acteurs et quels sont qu'ils mettent en avant notamment. Ce qui est vraiment frappant en effet ici, c'est la nature politique de l'eau. Donc ça ressort au niveau du plaidoyer, mais ça ressort aussi au niveau du modèle de développement dont ces deux personnes parlent. Hein. On parle d'agroécologie, d'agriculture familiale. Ouais, d'échelle locale, vraiment. D'échelle locale, mais aussi de dire qu'il y a besoin d'une alternative, là, ici, à des grands agro-industriels, je crois que c'est le terme qui est mentionné, qui sont, pour ces acteurs-là, source d'inégalité et de dégradation environnementale. Et c'est intéressant parce que ça fait en effet écho à de nombreuses recherches sur l'irrigation et l'agroécologie, notamment en Afrique subsaharienne, où on s'aperçoit qu'à l'échelle locale, le rôle que les petits agriculteurs, le rôle vraiment dynamique que les petits agriculteurs ont et qui ne cadre pas avec, on va dire, une vision moderniste et en ingénierie de l'irrigation et de l'agriculture qui reste dominante à ces échelles nationales, alors qu'elles apportent des réponses, notamment en termes de résilience et d'adaptabilité à des crises et à des changements climatiques sur lesquels on n'a pas la main. Donc là-dessus, à ce niveau-là, il y a en effet à la fois la recherche a différents rôles à jouer. D'abord, essayer de décrypter un petit peu ces initiatives à l'échelle locale qui sont difficiles à comprendre. Et après, les soutenir justement dans ce plaidoyer et montrer voilà. Et en après, quoi elles peuvent être. Notamment par le biais d'approches participatives, éventuellement justement les appuyer en lien avec des associations d'usagers. L'Europa en est une, il y en a bien d'autres, pour porter une voix commune vis-à-vis de décideurs politiques, certains étant sensibles à ce genre d'arguments, d'autres un petit peu moins. Et donc voilà, il y a un jeu là-dessus où la recherche a toute sa place à jouer. Alors tu l'as dit, hein, tu as parlé d'associations. Effectivement, je pense que une des caractéristiques de la science de la durabilité, c'est aussi d'avoir d'autres acteurs avec lesquels collaborent les chercheurs. On a vu parmi ces acteurs des associations qui sont là. On a vu aussi l'intérêt finalement d'étudier ce microcosme un peu du Forum mondial de l'eau où il y a justement tous ces acteurs, de réfléchir comment ils se mettent en place, quels sont les jeux de pouvoir qui sont mis en place et comment on peut nous se positionner en tant que chercheurs. Hein. Je pense que cette notion de chercheur engagé, tu l'as bien dit, et je pense qu'il faut insister là-dessus. Et parmi ces acteurs, on va écouter un autre et dernier témoignage depuis le Forum mondial de l'eau d'une agroécologue Laure Tal qui est donc au sein du think tank ouest-africain IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, et de voir comment aussi d'autres structures comme les think tanks peuvent faire partie finalement de ces jeux d'acteurs et de permettre aux chercheurs de se positionner par rapport à cet enjeu qui est la gestion de l'eau. Ce que je peux vous donner, c'est l'exemple d'un think tank. Les think tanks, ce sont des institutions qui ont été créées pour justement accompagner les politiques. L'idée des think tanks, c'est d'être des traducteurs, des courtiers de connaissances pour les décideurs.
Les décideurs, ça peut être des décideurs à toutes les échelles, des décideurs internationaux, des décideurs nationaux, des décideurs locaux. Mais l'idée est que l'information existe, le savoir, les données existent, mais qu'elles ne sont pas toujours mises dans un format qui peut être entendu et compris par les décideurs. Et les think tanks, ce que l'on fait, c'est que des fois, on est les producteurs de l'information, d'autres fois, on est des collecteurs de cette information et on doit la ciseler, l'analyser, la reformuler pour qu'elle soit compréhensible et qu'elle réponde surtout aux besoins de ces décideurs. Parce qu'il ne suffit pas de faire une bonne recherche, il faut faire une recherche qui réponde aux questions des décideurs et ce n'est pas toujours facile. Alors je pense que l'ORTAL effectivement met le doigt sur une problématique importante, hein, de pouvoir répondre aux besoins, qu'on ait une recherche qui puisse à la fois permettre de mieux comprendre un système mais aussi de répondre à des besoins. Du coup on voit l'émergence, hein, d'acteurs comme les think tanks qui viennent et qui sont là, comme le dit Laure, des courtiers de connaissances. Alors est-ce qu'on doit, nous en tant que chercheurs, avoir un positionnement en se disant ben voilà, on va continuer à faire notre recherche d'un côté et puis du coup il y aura bien des assos ou des think tanks qui vont ensuite faire le reste, avoir cette sorte de ligne rouge, ou est-ce qu'on doit finalement avoir nous-mêmes cette approche plus intégrée et puis nous-mêmes aller sur cette réflexion, sur ces analyses plus synthétiques et d'aller vers une recherche qui est toujours plus en accord avec les populations locales. C'est une vaste question et je pense que je n'apporterai pas une réponse univoque, hein, à cette question-là. Je pense que ce qui me semble, c'est que c'est difficile en effet d'identifier le rôle que la recherche en général peut avoir pour répondre aux enjeux de l'eau et aux attentes des décideurs. Parce qu'en fait, il y a autant de recherches que de chercheurs. Et donc, c'est bien de recherche avec un S, donc au pluriel, dont il s'agit. Moi, j'aime bien la notion en fait, d'interface entre science et décision, même si ça donne l'impression qu'il y a deux mondes séparés alors qu'ils sont imbriqués et indissociables. Hein. Le chercheur prend des décisions tous les jours dans ses pratiques de recherche et le décideur crée de la connaissance par sa pratique aussi. Donc, on voit bien l'imbrication. Alors, en effet, le think tank est l'une des configurations possibles de l'interface. Mais pour moi, d'une certaine façon, ça ne fait que, pour le chercheur, ça ne fait que repousser, ça ne résout pas la question du lien science-décision. Ça ne fait que la déplacer. Parce que d'une certaine façon, si un chercheur souhaite accompagner des transformations, se posera toujours la question d'interagir avec d'autres acteurs. Ouais. Donc ça peut être un acteur dans un think tank ou ça peut être un acteur dans une administration, dans un ministère. Donc le besoin de traduction, d'une certaine façon, il existera toujours. C'est un petit peu la forme et le contenu qui va changer en fonction de l'acteur avec lequel on échange. Donc moi je pense que, c'est vraiment un avis personnel, hein, mais que les chercheurs IRD, de par leur ancrage sur le terrain, de par les relations partenariales qu'ils nouent au jour le jour et sur le long terme, sont aussi bien placés pour jouer un petit peu ce rôle de courtier en connaissance que l'intervenant mentionnait et qu'ils ont une certaine légitimité pour le faire. Donc, à mon avis, c'est aussi important que ça ne devienne pas une injonction, mais plutôt de reconnaître en effet qu'il y a plusieurs configurations possibles de ce lien entre science et décision, et que le chercheur, en fonction de ses intérêts personnels, mais aussi des contextes, des circonstances, peut être amené à jouer différents rôles, certains rôles beaucoup plus engagés, d'autres un petit peu plus distanciés. Et c'est encore une fois essayer de reconnaître un petit peu cette pluralité des postures et jouer sur ces différentes postures en fonction des contextes, qui est important, à mon avis, dans ce contexte-là, pour que la recherche joue en effet un rôle dans les évolutions actuelles dont on fait partie. Mmh. Oui, donc ce que j'aime bien, Jean-Philippe, dans ce que tu dis, c'est que finalement, on a cette division un petit peu qui se crée entre science et solution. Parfois, la science de la réalité tente de faire ce pont entre les deux. Et à t'écouter, c'est vraiment cette position réflexive du chercheur, finalement, qui se demande où il est, comment il peut se positionner par rapport aux autres acteurs, comment il se positionne par rapport à finalement une science qui est éminemment politique. Hein. Toute science a une dimension politique dans ce qu'elle fait, tout en conservant notre rôle, je dirais, de chercheur pour produire des connaissances, mais d'arriver à se positionner. C'est un petit peu ça que tu arrives à faire, toi, finalement, dans ta recherche. Je ne sais pas si j'arrive à le faire, mais c'est en effet ce que je cherche à faire, au moins, à la fois garder une certaine neutralité pour observer ces processus-là, tout en m'impliquant personnellement et cette neutralité, gardant un petit peu cette réflexivité. En effet, je pense que c'est un petit peu clé en tant que chercheur
de réfléchir sur la place que l'on peut avoir dans ces transformations et après, en fonction de nos intérêts, comment aller plus loin si on le souhaite. Merci beaucoup Jean-Philippe pour avoir été présent avec nous aujourd'hui et pour avoir vraiment présenté cette vision holistique de la thématique de l'eau. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Pour conclure, je retiendrai trois messages clés de nos échanges, dont certains font écho à la déclaration de Dakar faite lors du dernier Forum mondial de l'eau. Tout d'abord, la nécessité de bâtir des politiques publiques sur la base de connaissances, notamment sur les processus de renouvellement de la ressource en eau. On l'a vu notamment lors des différents reportages sur le changement climatique ou encore sur la qualité de l'eau. Deuxièmement, le besoin de favoriser la cohérence entre les politiques de l'eau et celles, entre autres, des secteurs de l'agriculture, du développement rural, de la santé, de la biodiversité, de l'énergie et de l'industrie, en favorisant vraiment les approches intersectorielles et en reconnaissant les enjeux autour des eaux transfrontalières. Là encore, ça a été très bien montré dans le reportage sur l'or. Enfin, le besoin de soutenir l'innovation. L'innovation, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais elle est extrêmement présente, notamment sur le terrain, pour proposer de nouvelles solutions pour la gestion de l'eau et de renforcer les capacités de toutes les catégories d'acteurs impliqués dans la gestion durable de l'eau. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je remercie chaleureusement les nombreuses personnes qui ont participé à sa préparation, notamment tous les collègues mobilisés depuis le Forum mondial de l'eau à Dakar. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à consulter notre site internet www.ird.fr/helloworld. Vous y trouverez notamment les documents complémentaires sur les recherches de l'eau à l'IRD ainsi que sur la science de la durabilité. À ce jour, la meilleure exoplanète connue en matière d'habitabilité se trouve à 111 années-lumière de la Terre. Autant dire que pour l'instant, il n'y a pas de planète B et que la meilleure façon de préserver la Terre est sans doute de préserver l'eau. Pour cela, nous tous, citoyens de la planète Terre, n'oublions pas de faire notre part. À bientôt.